chaque jour ça yo fait un dollar américain qui baille pays américain pays États-Unis droit pour sanctionner yo et même participer dans arrestation yo en tant que pays qui dit si c'est pays ami d'Haïti. Dénoncé auprès du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, les vrais corrupteurs en Haïti qui sont toujours en fonction, qui ne cessent de gaspiller les fonds publics et dont certains d'entre eux qui ne sont pas encore épinglés dans la liste des sanctions américaines pour motifs de corruption en Haïti et transactions faites sur le dollar. Car partant de l'utilisation de la monnaie américaine, cela leur octroie la possibilité d'enquêter, de sanctionner et d'arrêter tout un chacun ayant mal utilisé cette monnaie. This conference is done to say that to the American Secretary, Mr. Anthony Blinken, that the two corruptors are still in the government in Haiti. They maintain their position. They continue to spend the Haitian money anyhow, okay? And all the corruptors are still in the government. In this case, we need to ask to the American people to help us in that situation, because they say that they are our friend. They are our friend. Para declarar al secretario general el señor Anthony Blinken que los corruptores están aquí en Haití. De mantener ellos mantenían es sus posiciones. De ellos continúan de rapidar el fondo público de Haití. Tenemos que ayudar. Ellos tienen que ayudarnos en esta situación difícil. Pour nous dire également à monsieur Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État américain, à tout dirigeant américain, nous même peuple haïtien, nous pas capable encore. Nous bouquet, nous fatigués. Avec équipe corrompue qui prend l'état d'assaut illégalement, en dehors de la constitution, en dehors de la loi, qui est le tétio conseiller présidentiel. Transition qui n'est corruption d'après déclaration ancien directeur BNCA qui sont corrupteurs tout en pile là yo mande gros l'argent pour vendre poste dans l'état et côté jeune fille et jeune garçon qui dans pays a qui compétent pas qu'à joindre travail et corrompu qui illégal inconstitutionnel et pas si à vendre dans l'état. C'est pour raison ça. Nous demandons à secrétaire d'état américain monsieur Anthony Blinken pendant visite en Haïti qu'a fait dans date 6 septembre 2024 là. Dans nos gouvernements américains dans nos pays États-Unis pour lui aider nous résoudre problème ça en tant que pays qui dit li ses amis pays d'Haïti parce que conseil transition sali illégal inconstitutionnel moun ki la donné c'est corrompu. Nous aux jeunes garçons compétents de travailler. C'est dans cette perspective que nous demandons au secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, durant votre visite qui débutera le 5 septembre en Haïti, de nous aider à résoudre ce problème en tant que pays dit ami d'Haïti. This conference is made specially to say that to Mr.
Anthony Blinken that all the responsible in the U.S., in the United States of America, need to help the Haitian people because we can't stand. That's enough. That's enough. We have to say that all the corruptors are still in the government. They take the power by storm illegally, out of the constitution. We have to say that the presidential council of transition is illegal. We have many corruptors in the presidential council of transition, and Mr. Blinken has to help us in this situation, because in Haiti we have so many young girls that can't find works even though they are competent. So we need the help of the American people in this situation. Para decir especialmente al señor Anthony Blinken y a los dirigentes de los Estados Unidos que el pueblo haitiano no puede continuar en esta situación. Es una situación muy difícil. Los consejos, las personas que están en el Consejo Presidencial de Transición son corruptores. Según dice el director general del Banco Nacional de Crédito, el señor Raúl Luis, Raúl Pierre Luis, ellos piden dinero para. ¡Amuel! ¡Amuel! ¡No pas capable encore! ¡No es el Amuel! ¡Amuel! ¡Amuel! ¡No pas capable encore! N'a demandé arrestation sans condition. Jean-Ronald Joseph, qui c'est le directeur FNEA, qui sont volés, qui sont corrompus, qui sont illégales, qui volaient l'argent, qui était là pour faire éducation de Timounio. Côté Jeff Foller. Sous chaque transfert, yo prend $1.50. Côté chaque appel, yo prend un frais sous lui. Côté yo prend un crop sous tout produit alcoolisé. Côté go crop, la loi prévoit qu'il doit sortir dans l'autre qui va l'inferno. Mario, Mario. Monsieur. Mario, Mario. Là, nous commettons comme ça ensemble. Produit, tout produit, il vient environ 13 milliards de dollars américains. Jean-Ronald Joseph a équipe qui volé. 13 milliards de dollars américains. Jean-Ronald Joseph, de l'Idéonet, a équipe qui a mis sa volé. C'est peut-être ça. N'a demandé pour arrêter, pour geler contre Jean-Ronald Joseph, grand voleur, grand corrompu, déus de honnête, mimimia. Déus de honnête, corrompu, mimimia. Samuel H. Satuné, n'est qui le chef cabinet arrière là. Miaou, miaou, miaou. George Lebob, n'est qui le club de Delma 40 BA, qui prend comme éducation et qu'elle fait club pour vertir mesdames danser. Miaou, 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 Mario. Loubedi frère. Voilà comme là, elle cache Canada avec madame ni avec petite li. Miaou! Avec environ
200 films bidons qui volaient environ 13 milliards de dollars américains. Peuple professeur l'école, il n'y a pas qu'à toucher. Directeur l'école, il n'y a pas qu'à toucher. Il n'y a pas construit l'école. Professeur Psygo, il n'y a pas qu'à toucher. Professeur Pone, il n'y a pas qu'à toucher. Côté, il a signé un contrat avec ensemble l'école privée. Depuis 9 années, il n'y a pas de payer. Il n'y a pas de payer. Yo pa jam ba yo good ak professeur yo yo pito ak bay moun ki la justice l'argent yo pito ak bay moun ki nan service kap travay corruption l'argent ya bay journaliste kòb ya paye journaliste média traditionnel ya paye média pour parole là, pas parler. Mais qui non nous? Nous demandons à qui LCC? Nous demandons à Anne Joseph, directeur du LCCA, mais qui a sorti plusieurs rapports. Qui est le rapport FNEA a sorti? Anne Joseph, du LCC, nous demandons qui est le rapport FNEA a sorti. L'argent côté l'argent diaspora qui travaille 19 fois 10 dollars 15 billion dollars. They take 13 billion Haitian dollars. Okay, they are robbers. We have to say that Jean-Honor Joseph, Deus Deonet, Samuel Satune, Georges Limbaugh, Louverdi Frère, and they prepare approximately 200 false company, and they are really corruptors. The teachers, they cannot pay the teachers. We have to say that we have the program of Psygo, Pornek. They prepare nine contracts. Excuse me, they prepare a night contract and they cannot pay the private directors, the private school of directors. We have to say that they prefer to pay all the people that work in Haitian justice. They pay also all the ones that work in other national institutions to corrupt them. I mean the newspapers, reporters, and they pay them in order to let the world know the truth. Okay? So we have to say that we are going to organize a sitting on Wednesday 11th of September 2024 in front of the local of ULCC. It is an institution that works against corruption in Haiti. We have to say that to the General American Secretary, Mr. Anthony Blinken, to help us in this situation. El pueblo haitiano no puede continuar así. Es una situación muy difícil, muy caótica. El gobierno tenemos que
poner en prisión el señor Jonas Joseph, que es el director general del Fondo Nacional de la Educación. Las personas que trabajan en países extranjeros envían cada mes dinero para soportar sus familias y ellos pagan $1.5 para cada llamada que se hace en Haití. Tenemos ellos toman dinero en los productos alcohólicos en la lotería nacional. Estos dineros totalizan 3,000 millones de dólares americanos. Tenemos que decir que Jonas Joseph, Desde Honnête, Samuel Satuné, Jean Lembob, Louverdi Frère, preparan aproximadamente 200 falsas compañías. Ellos son corruptores. No podemos pagar los profesores. Tenemos dos programas de universal para los haitianos, Subo y Pognet. Ellos preparan contratos para los directores generales en las escuelas privadas y ellos no reciben ningún dinero. Ellos prefieren de pagar las personas que trabajan en la justicia haitiana y otras instituciones para corromper ellos. Ellos prefieren pagar los periodistas que trabajan en la radio para que el pueblo haitiano no saber, no sepa la verdad. Tenemos que decir que vamos a protestar, vamos a organizar una protestación en frente del instituto que se llama IRCC. Es una institución que lucha contra la corrupción en Haití. Tenemos que pedir al señor Anthony Blinken de ayudarnos en esta situación, porque los americanos dicen que son amigos de Haití. Gracias a Dios. Et nous profiter annoncer mes maman Pemba, mes lèvres Kambéa, mes lèvres Kambéa, mes maman Pemba. Yon gros sitting qu'a fait dans date qu'a mercredi 11 septembre là dans Delma 83 devant local ILCC. Mercredi 11, nous prenons l'ILCC. Nous venons chercher un rapport FNEA dans le site qu'a fait Delma 83 devant le local ULCC. Et nous avons profité, avec le secrétaire d'État américain, Monsieur Anthony Blinken, aidez-nous dans le dossier ça. Aidez-nous dans le dossier FNEA. Un pile milliard de dollars américains à côté. Qui n'a pas Jonas Joseph, Desde Honnête, Eddie Jackson Alexis, Louverdi Frère, Georges Lebob, criminel volant, Samuel Assassiné, et à un pilote encore. Monsieur Anthony Blinken, aidez-nous. Si vraiment États-Unis, ses amis pays d'Haïti. Nous crions haut et fort que nous n'en pouvons plus.
Say, we say, the Haitian people say, that's enough. We ask for the arrestation of Jean-Ronald Joseph, the General Director of National Fund Education. Everyone knows that the government, the Haitian government, take 1.5 American dollar in every transfer, every call that come from the U.S. through Haiti. We have to say that they took money on the alcoholic products and the national lottery. If we have to say that they spend